Lorsque la Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève a demandé à l'Institut Milton Erickson de Biarritz Pays Basque d'organiser ce forum, le comité d'organisation présidé par Frédéric s'est posé la question du thème. On avait eu les histoires merveilleuses, les voyages merveilleux de Nantes. On n'allait pas recommencer des histoires maritimes. Et on s'est reposé la question. Et puis, il y a un titre qui s'est imposé à nous rapidement, c'était Oser la mixité thérapeutique. Nous allons accueillir Monsieur Didier Borotra, le sénateur-maire de la ville de Biarritz, que je remercie vraiment du fond du cœur, car il nous a aidés d'une manière extraordinaire. Donc je veux vous dire, docteur, que j'ai suivi votre travail et celui de votre équipe. Et je veux vous exprimer ma reconnaissance et mes félicitations pour l'avoir organisé dans les détails d'une façon si parfaite. Voilà. Pour le reste, je me garderai bien de faire des commentaires sur cette discipline, parce qu'il s'agit finalement d'une discipline médicale, d'un art. Alors là, on commence à rejoindre la politique. Je pensais en arrivant ici qu'on aurait peut-être des idées à prendre chez vous, parce que je trouve que. Je salue d'ailleurs dans la salle Alain Lamassoure, ancien ministre et député européen. Et président de la commission du budget au Parlement européen, pour dire que je trouve que d'ailleurs les méthodes des politiques en matière d'hypnose de l'opinion sont en train de devenir de moins en moins efficaces. Vous reconnaissez Bernard Giraudot qui était ici même, qui était là ici même il y a 2 ans et qui avait tenu à parrainer amicalement ce forum. Mixité par la multidisciplinarité que nous représentons tous ici. C'est très important. Et richesse aussi de par la diversité socio-professionnelle que nous représentons ici aussi tous. Et le tout dans le cadre non pas d'une médecine alternative, comme l'a dit notre confrère Fabrice Lajda de Bordeaux, mais dans le cadre d'une médecine intégrative. Ce n'est pas une médecine différente. Est-ce que le cerveau, c'est une boîte noire, c'est un ordinateur ou c'est un réseau fluide? On pensait d'abord, parce qu'on ne comprenait pas du tout comment il fonctionnait, que c'est une sorte de boîte noire. Une boîte noire, pour les physiciens, c'est quelque chose dans lequel rentrent des informations et elles ressortent sous forme d'actions ou sous forme d'autres informations. Puis à l'intérieur, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc on appelle ça des boîtes noires. Ça aide beaucoup les physiciens. Et puis progressivement, avec la montée de l'informatique et la découverte des ordinateurs dans les années 50 et leur utilisation à des fins militaires d'abord, puis ensuite de recherche, on a pensé que le cerveau pouvait ressembler à un ordinateur. En réalité, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact, parce que le cerveau, c'est plutôt une machine chimique qu'une machine numérique. C'est en fait une machine électrochimique, mais elle communique par électrochimie, elle fonctionne aussi beaucoup par molécules. Des molécules sont émises, des molécules sont reçues, il y a des récepteurs de molécules du cerveau sur différents endroits, il y a des récepteurs dans le cerveau, d'autres molécules qui sont dans le corps. Donc disons que c'est plutôt une machine chimique et qu'elle fonctionne d'une manière parallèle, plutôt lente, on le sait, alors que l'ordinateur fonctionne d'une manière séquentielle,
extraordinairement rapide et binaire. Donc c'est assez différent. Et qui commence à pointer vers ce qu'on pourrait appeler une sorte d'esquisse de théorie scientifique de la conscience, qui nous permet de jeter un regard nouveau sur des questions qui sont des questions extrêmement anciennes, des questions qui ont souvent été l'apanage de la philosophie, puis de la psychologie, des différentes formes de psychologie, de la psychanalyse, évidemment. Et on peut développer aujourd'hui des regards qui sont évidemment différents, qui sont nouveaux, et on peut s'intéresser aussi de la mise en perspective de tout cela. Alors, je vais vous parler de conscience, et vous allez voir que même si je suis neuroscientifique, il y a des allers-retours incessants entre la théorie et la clinique. Combien de passes? Qui dit 14 pour savoir? 15? Alors en fait, évidemment, je m'en fiche. Alors vous allez revoir ce film cette fois-ci, mais sans compter. Votre workspace sera libre, votre espace de travail global maintenant est libre. Et si vous ne connaissez pas ce film, et si vous avez vraiment écouté ce que je vous ai dit, vous allez sans doute être surpris de voir un gorille apparaître. Faisant parfois la queue pendant des heures. Et j'avais décidé de voir comment il interagissait avec cette nature humaine. Et j'avais constaté que il ne faisait que passer les mains au-dessus du corps des gens. Il avait l'air très concentré. Et les gens ressortaient ravis. Certains se disaient guéris. Et en tout cas, envoyaient leurs membres de la famille, etc., qui faisait qu'il y avait un succès incroyable. Et j'avais beau avoir l'esprit ouvert, il n'y a rien à faire, et je crois que c'est une qualité malgré tout, mon esprit critique était là pour essayer de comprendre le truc qu'il y avait là derrière. Et comme il l'a constaté, cette sorte de suspicion dans mon œil, tout d'un coup il s'est relevé, il m'a dit « Mais entre toi et moi Thierry, quel est le plus important ?» Et je me suis dit « Il veut m'emmener dans un débat nouveau, culturel, où je vais devoir défendre mes représentations de ma réalité contre les siennes, et je n'avais pas du tout envie de ça. » Il me dit « Non, non, entre toi, Thierry, et moi, Arnulfo, quel est le plus important ?» Alors spontanément, la réponse qui m'est venue était « Le plus important entre lui et moi, pour moi, c'est moi. » Parce que nous avons quand même un petit instinct de survie qui fait que, généralement, nous passons toujours un petit peu avant les autres. Je me suis retrouvé un jour dans un incendie, dans un cinéma, et je vous assure que quand il s'agit de sauver ses fesses, on ne regarde pas trop qui est devant soi. Et on bouscule, et on se presse vers la sortie. Il y a cet instinct de survie en nous. Et donc, un peu désolé, j'ai répondu à Arnulfo que pour moi, le plus important, c'était quand même moi. Il me dit non. Mais non, entre toi et moi, le plus important, c'est « et ». Entre toi et moi, le plus important, c'est « et ». C'est le lien, c'est l'interaction, c'est elle qui crée la vie. La musique, c'est une création, donc c'est quelque chose de tout à fait et profondément humain. Alors on va commencer par la première chose qui est que, pourquoi la musique? Bien, est-ce que vous pouvez imaginer une seule culture humaine, un seul endroit du monde où il n'y a pas eu création musicale? Ça n'est pas possible. Est-ce que l'on peut imaginer une culture naissante dans l'histoire de l'humanité qui n'ait pas utilisé les sons pour créer des phénomènes, eh bien, certains appellent ça de la transe, d'autres de cohésion sociale, d'autres de danse rituelle, etc. Là, on va écouter quelque chose qui est intéressant parce qu'il va se passer, dès que vous allez commencer à écouter cette œuvre, il va se passer plusieurs choses de façon simultanée en vous. Et on va essayer, non pas de les décortiquer, mais de les analyser un petit peu. Bien sûr, vous avez tous reconnu. Et ça, c'est une première chose. Donc, vous avez reconnu. Cette reconnaissance,
C'est un phénomène analytique très rapide, très rapide. Il prend à peu près 200 millisecondes et il situe à l'endroit très précis de votre cerveau, dans le gyrus temporal supérieur gauche. Quand je vais vous parler de l'art des cavernes. L'art des cavernes, vous avez tous entendu parler de Lascaux, de Chauvet, de Bosquer et autres. Cet art des cavernes couvre à peu près, je vous donne un cours rapide là, hein, couvre à peu près 25 000 ans. Les plus anciens témoignages qu'on a sont autour de 36 000, les plus récents autour de 12 000. Donc en gros, très gros, à 1000 ou 2000 ans près, 25 000 ans. Quand on y réfléchit, ça c'est extraordinaire. Une tradition qui dure, humaine qui dure pendant 25 000 ans, dont les bases fondamentales sont quasiment inchangées, c'est-à-dire des gens qui vont dans les grottes profondes pour faire des dessins que l'on reconnaît au premier coup d'œil. C'est-à-dire que même si vous ne connaissez rien à l'art préhistorique, qu'on fasse un timbre sur l'art préhistorique avec une image de n'importe quelle grotte, vous direz que c'est un timbre sur l'art des cavernes. Même si vous le savez. Mais je suis sûr que M. Sponcroll est habitué. Beaucoup mieux que moi. Je ne sais pas, on verra. Ça, c'est pas gagné. Allez, vous êtes prêts? On va mettre la balle au centre. Et de toute façon, je vais vous parler pendant la partie. Ce sera à vous de faire le vide à ce niveau.